Yup yup, salut! Aujourd'hui, Brad vers sur du Hearthstone, c'est qui le patron? Ah, ça m'a trop trippé ce nom de Brad Fer. Donc voilà, aujourd'hui vendredi, début du week-end, au taquet en forme, donc vous savez encore cet après-midi je pense. Ou vu qu'on est déjà le soir, vous avez eu cet après-midi, voilà voilà. Je m'embrouille. Donc, les boss de donjon veulent vous aider. Construisez votre propre deck, mais obtenez un pouvoir héroïque de boss aléatoire. Chaque fois que vous l'utilisez, il change. Donc voilà, moi j'ai déjà testé, vous avez vu, je me suis bien amusée dessus, j'ai fait un stream hier après-midi, j'ai bien rigolé, et je me suis fait donc un petit deck mage, beaucoup basé sur les sorts freeze, c'est un mage freeze, et on va go go, on va y aller, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris des créatures, je trouve pas assez de créatures, on verra bien si on gagne ou pas. Je vais essayer encore après un deck, pourquoi pas. Je voulais prendre quoi? Je sais plus. Ah, paladin. Bah, j'adore les paladol, moi. Paladin. J'aime bien paladin. C'est cool. Je jouais jamais paladin au début, mais là, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, normalement, j'ai une caisse. Je dois faire 7 victoires. Oh, purée. Contre Jaina. Donc, je trouve que ce bras de fer, c'est beaucoup par rapport à la chance. Je trouve, hein. Et on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Oh purée. Je n'ai pas la chance. En plus, je commence. J'ai plus... Ah oui. Ça inflige un point de dégâts. Et s'il meurt, invoque une gelée. La gelée. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Oh le dradra. Trop relou. Que faire, que faire? Un jour, je serai comme vous. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Salaud. Inflige un point de dégâts. Ah ouais, non, c'est le tour 3 encore. Ah. Place au sort aléatoire de la classe de votre adversaire dans votre main. Mage. Oh, des wyrms. Elle joue avec des wyrms. J'aurais dû prendre aussi des wyrms. Ah, t'aurais dû faire l'inverse, ouais. T'aurais dû faire l'inverse, cher ami. On va faire... Je peux faire ça... Et ça. Merde, je devais faire l'autre. Je me suis fail. Je me suis fail, je voulais pas faire ça. Oh, je suis débile. Ouais, voilà, j'aurais dû garder le sort d'avant. J'aurais pu faire le combo maintenant. Bah bravo. Oh, super. Et en plus un dragon azur quoi. Vas-y, booste tes sorts. Je prends trop cher. Voilà. Voilà. J'ai deux provoques, comme ça au moins ça va me sauver. Je vais économiser un petit peu de mes... Ah, j'ai encore cette merde là. Faut que j'essaye de mettre celle-là parce qu'il me fait de l'armure. Que faire? J'ai pas de créature, ça me gave. On va bourriner les créatures. Ouais, on va bourriner les créatures pour l'instant. On verra bien ce que ça donne. Je peux buter sa wyrm avec mes dragonnets. Mes dragonnets. Je peux péter son lanceur de couteau avec mon Drasdingo. Et ouais, tu ne peux pas, cher ami. Et t'as balancé un dragonnet. Le dragonnet. Oh merde. Une provoque. Ah putain, faut que je mette ça au prochain tour. Une fois j'ai eu ça, c'était Isera qui est venue. Merde, pourquoi celle-là? Ça fait chier.
Faut que je nettoie. Faut pas que je mette de créatures pour l'instant. Faut que je nettoie. Il faut que je... Comme ça, il y en a déjà une de moins. Je vais mettre ça. Ça non. Ça oui. Ça yes. Ça renvoie au silence, c'est pas grave. Et j'ai une 1-1 provocation. C'est cool. Voilà, plutôt bien. Bon, il peut me les tuer après. Donc c'est pas la mort, il peut utiliser son sort. Ça va avec les 3 gelées, je pourrai les péter au prochain tour. Ah, c'est des gelées 2-2, j'avais oublié. Voilà, voilà, bravo, bravo ma fille. On s'applaudit parce que je fais de la merde. Ah. Non, on va tester un truc. J'ai pas de chance. Un, deux, trois. Est-ce que je fais... Ça, ça met ça. Est-ce que... Est-ce que... J'ai 3 points. Je peux mettre ça et ça. Comme ça, moi, j'ai... Oh, yes, j'ai ça pour le prochain tour. J'ai au moins un dragonnet. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est assez chaud, hein. C'est assez chaud. Mais bon, on verra bien. C'est... Ouais. Oh, de Ragnaros. Je vais surtout te chip et t'auras rien du tout, mon coco. Je vais le chip. Je vais d'abord faire ça. Yes. J'ai de la chance, même pas besoin de le ship, ça me va. Parfait. Ensuite, encore un tronc. Donc ça c'est... dégâts des sorts. Ok. Oh, s'il est déjà gelé, inflige 6 points de dégâts. J'ai repris le contrôle du board. Je ne peux pas mettre mes dradras parce que j'ai ça. Merde. Il a sa provo... non, ça c'est quoi? Ah ouais, sur le board. Moi j'ai une trop... Oh, Izera! Izera! La chip directos. Putain, ça, ça me saoule quand ça met ça! C'est pas possible! Tout barbouillé. Bon. Izera de merde! On va la chip directos, hein. Izera, ça se chip direct. mes dragonnets, ça sert à rien. Mes provoques, ça sert à rien. Si, je vais quand même mettre... Faut que j'utilise mes dragonnets. Puis comme ça, j'ai celui-là. Tous les sorts coûtent 3 cristaux de moins. Nice. Invoque un acolyte Aziz Flamme 3-3. Et je n'ai rien pour le geler. Et si je le ship celui-là aussi. Puis celui-là, je peux pas le mettre. Super. Il pourra me tuer ma provoque. Ah, choc de flamme. Intéressant. Lui, il peut mettre tous ses spells avec ça. Il coûte 3 cristaux de moins, il va mettre toutes mes boules de feu. Inflige 10 points de dégâts. Voilà, j'ai de l'armure. Pas de bol. On va mettre ça. Ça, c'est...
Fais passer les points de vie de tous les serviteurs à 1. Ils sont déjà à 1. Un point de dégâts, je vais le garder celui-là. Ça ne m'arrange pas. J'ai un personnage, il est déjà gelé, afflige 4 points de dégâts. Ah ouais, non, j'ai pas assez de mana, c'est vrai. Puis ça, je veux pas faire. J'ai encore 11 points. Je peux comboter ces deux pour le prochain tour, puis lui faire 5 points de dégâts. On verra bien ce que ça donne. C'est assez chaud, je dois avouer. Afflige 5 points de dégâts à tous les personnages sauf Izera. Ah d'accord, c'était ça. Super! Ah ouais, mais il est pas gelé avec ça. Merde. On va jouer comme ça. En attendant. Lui, il a celui-là. Oh, ça va être chaud! Oh, ça va être méga chaud! J'ai fait une bêtise. Oh! Merde! Je vais mourir. Ouais, je vais mourir, c'est fini. Oh! Non, il manque un point! Travail terminé. Il manque un point! Non! Je veux celle-là, au prochain tour, je peux l'avoir. Oh mon dieu, c'est serré. Là, il peut me mettre deux. Il a toujours, c'est là, celui-là qui met une carte des deux. Ah non, c'est le... D'accord. Oh putain, elle est serrée, cette game, désolée. Elle dure beaucoup trop longtemps, surtout. Elle se fait déjà 12 minutes. Oh non. Non, 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 non. Je survivrai! Jamais, j'ai... Merde, ça va lui mettre de limon. Merde, il a celle-là, il peut la coboter, ça va lui mettre de bestioles. Non, j'ai perdu. Jamais! Pourquoi il n'utilise pas ça? Pourquoi il l'a pas utilisé pour en avoir deux? Ah, puis il a le Mégatron. Arcanotron. Oh, mouahaha. Je survivrai. Je ne me laisserai pas périr. Bon, d'accord. Je crois que je vais peut-être un peu mourir. Il me reste 3 points de vie, je vais jamais y arriver. Il a quoi comme piège en plus? Oh, une proc. Oh, c'était miroir, j'en étais sûre. Je survivrai, jamais je ne mourrai. Oh non, j'ai perdu. Il gagne un cristal de mana, elle est trop bien cette carte. Oh, Chromagus. Mais c'est quoi toutes ces légendaires que t'as, mon gars? Oh.
Chromagus de merde. Il a des légendaires. Comment tu veux que je joue avec ça? Moi, j'ai aucune légendaire. Je vais mettre celle-là, puis celle-là. Oh, vous piochez deux cartes. Nickel. Pas très nickel. Si c'est ça, il me tue. Faut passer les points de vie de tous les serviteurs à... Je ne peux pas faire ça. Ah, je peux pas, j'ai pas de créature. Super. Super. C'est chaud, mais vas-y, finis-moi, merde. T'as plus... T'as plein de cartes en plus. Ouais, voilà, casse-toi avec ta pyrotechnique de merde. Il m'a même pas dit bien joué, il m'a dit va te faire foutre. Voilà, casse-toi. C'est le moment, fallait que je cale pour que tu me le dises. Bon, bah on a fait une partie mage. On va faire une partie palalol. Palala. Alors, nous allons prendre ça. Nous allons prendre ça. Nous allons prendre ceci. Nous allons prendre ce... Non. Non. Ça, ça... Ça, ça, ça. Je reprends de dégâts, vous piochez une carte, on va prendre ça et... M. Ça, ça. Ça me les donne pas tous, ça m'énerve. Celui-là. Le démolisseur, non, je vais pas le prendre. Celui-là. Je réfléchis. Celui-là. Non, ça je vais pas prendre, pas le gnome. Oh, il me faut celle-là. Celle-là. Et ensuite celle-là. Ah ouais, c'est ça que je voulais faire. Et celle-là. C'est autre chose que je voulais faire. Je voulais pas mettre celle-là là. Elle est où? Celle-là, je la garde. Mais celle-là, j'en veux qu'une. Et celle-là, j'en veux deux. Voilà! Faut prendre un deck avec exaltation. J'aurais dû faire ça depuis le début. Un petit peu mieux optimisé. Purée, dans une semaine déjà. Et je... Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus. C'est déjà dans une semaine, la Paris Games Week. J'ai trop hâte d'y être, ça va être tellement bien. Ah, les gars, ça va être génial. Ça va être vraiment bien. Bon, ça va long, là. Qu'est-ce que tu fais, cher ami? Tout pédale, tout pédale. Tout avance et tout pédale. Et notre numéro gagnant sera le 18. Bienvenue à madame... Madame Catherine Jean-Bonneau. Qui a gagné son saucisson et qui pourra rentrer avec. Waouh, ça sert à rien. Je combattrai avec honneur. Ça ne sert à rien, ce starter. Ce starter est nul. Ah, celui-là, ça va. Ça, ça pourra m'être utile plus tard et ça aussi. Comme ça, je les ai déjà les deux. C'est plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt bien. C'est cool. Avec ça, j'aurais pu faire que deux parties vu que l'autre s'est éternisé pendant trois plombes. Mais bon, on va faire avec et on verra bien comment ça se passe. Vas-y, cher ami. C'est un voleur en face. Uther contre Valyra. Ça ne l'a pas dit, je crois, au fait. Je crois que ça ne l'a pas dit. Bon, cher ami, es-tu AFK? Si oui, signale-le en levant le doigt. Lève la main pour dire que tu n'es pas là. Non, mais s'il te plaît, j'ai un bon starter. Ne fais pas ça. Ah, voilà. C'est bien. Brave petit. Je dois peut-être avoir déjà une bestiole. Pardon, je vois une petite goutte. Je pourrais peut-être avoir déjà une 2-2 si elle met une créature à 1.
des créatures avec un seul point de vie, c'est vraiment pas une bonne idée dans ce deck-là, parce que... Dans ce mode de jeu-là, parce qu'avec ce machin-là, c'est vraiment pas cool. Moi, je vais mettre ça. Frère! C'est plutôt cool, sinon. Comme ça, au tour 4, je pourrais mettre celui-là. Ou celui-là. Celui-là, c'est bien, parce que je peux le booster. Celui-là, j'adore le booster. Tu le mets en plus 4, c'est plus 4, plus 3, et tu doubles les points d'attaque. Donc ça fait 5, 9, 12, 24. Moi, tu es obligé de faire ça en 2-3 tours, je crois. Non, 2 tours, tu peux. C'est tellement bien. Pardon, je joue avec Alabello. Alors. J'aurais pu mettre ça aussi. Celle-là ne me sert à rien pour l'instant tant qu'elle n'a pas mis de créature en face. Et piège à mort. En masse. Oh oui, mets ça. Mets ça. Oui. Ça, c'est le pire combo du monde. Oui. Nah, 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 nah. Oh, je peux peut-être même mettre ça. Oh, t'as pas de chance. C'est ma responsabilité. T'as pas de chance. T'es obligé de jouer des cartes, sinon tu te fais défoncer. Tu vas te prendre des dégâts dans la bouche. Magmatron. Bon, cette fois, j'ai de la chance. Boum, boum. Une 1-3. Boum. Bon bah bien joué quoi. A fun. Ça affreux le pauvre. Je l'ai ruiné, j'y ai roulé dessus. Heureux de vous rencontrer. Pour le chambellan. Tu fais ça? Oh mais pourquoi ça lui donne à chaque fois? Ah c'est son arme! Cette attaque plus un d'attaque. Boum! C'est nul! Excellent cette arme! L'âme empoisonnée ça donne à chaque fois... Chaque fois que tu utilises ça. C'est pas mal. Par contre là, elle aurait ça, elle aurait complètement retourné la vapeur parce qu'elle aurait tout des machines de deux là. Elle m'aurait mais défoncé la bouche. Je vais me prendre des dégâts dans les dents. Magmatron, pas content. Bon bah c'était easy game quoi. J'ai eu de la chance, elle a pas eu le sort qu'elle devait. Sinon elle m'aurait défoncé. On va refaire un dernier, il reste combien de temps? Avec ses bêtises, 1 minute, ok. Il nous reste 1 minute, voilà, on a gagné celui-là en 30 secondes. Easy peasy, si l'autre jouait un peu plus rapidement, on aurait pu jouer un peu plus rapidement. Mais c'est bien allé, on fait une dernière game en paladin. Parce que moi j'aime vraiment bien la classe paladin. C'est vraiment bien les paladins. Le chat laisse la boîte à poils. Le chat fait des bêtises. Contre Rexar. Il joue des animaux lui, c'est cool. Oh purée starter de merde. Le chat tu l'as... Non, j'ai le chat qui fait tomber la boîte à poils. Enfin c'est une boîte, quand je les brosse, je mets les poils dedans. Puis lui il l'ouvre pour la manger. Pour manger les poils. Oh le starter. T'es pas sérieux? Le chat arrête ça tout de suite! Mets-nous au coucher! C'est pas possible! Oh! Minou! Il est débile, il l'a mise à l'envers. T'es trop con le chat, je te jure. Sans sale!
Tant que tu l'as pas ouverte, ça me va. Et si je mettais ça? Non. Le chat, tu laisses la boîte. Il est trop loin, je peux pas aller vers lui. Minou, apporte. Minou, tu cesses. Oui, il l'a ouverte, je reviens. Petite pause. Voilà, je suis de retour. Veuillez m'excuser pour cette petite, ce petit accident fortuit. Remonte-toi, rends-moi un serviteur allié dans votre main. Oh, intéressant. Le chat, tu me casses les bonbons. Le chat fait n'importe quoi. Ça coûte zéro, cette bestiole? Arcanotron? C'est une 2-2, mais ça coûte zéro? Intéressant. Ah, je vais prendre cher. Yes! Moi, ça me va. Les bananas! Je vais t'arranger. Merde, il a ça, détruit un serviteur adverse aléatoire. Il peut m'attaquer et le détruire. Non! Fou, sale bête. Ouais, c'était sûr qu'il allait faire ça. Faut que je fasse ça au prochain tour. L'attaque d'un serviteur adverse passe à 1. Ça ne sert à rien. Si je mettais ça... Ça, dragonnet. Oh. Faut que je fasse ça. Au prochain tour, je peux faire ça et avoir des petites bébêtes en plus. Par contre, j'ai bientôt trop de cartes. Faut que je pose des cartes. Ça, ça. Ça. Si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. Ok. Des bestioles! Des bestioles! Je peux faire ça. Consécration. Deux bébêtes. Et ça. Voilà. Arrrr. C'est trop mignon ces dragonnets, ils font comme ça. Ils me font trop rire. Bouh. Je peux faire un jet de besoin. Un jet de besoin. Non, tu ne peux pas, tu ne peux plus. Les chiens vilains. Brrr. Brrr. Mourrez! Fouit! Et bim! Alors, faut que je mette plein de petites cartes. Plein de petites cartes. Non, pas ça. Plein de petites cartes, plein de petites cartes. Ça! Portail connecté. Arr! Ça, ça. J'ai quoi comme sort après? Oh, sort de merde. Non. Oui, bah 2 secondes. Voilà.
J'aurais dû la garder cette carte, je suis débile. Mais bon, good enough. J'ai trop de cartes dans les mains, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ah, il y a les dragonnets. Les dragonnets. Ah, cool, merci. TI, ça me va. Droit au cœur. Comme ça, je peux me mettre directement sur deux. Et il me rote dedans? T'es sérieux? Pourquoi tu fais pas de la place? Pourquoi tu me tues pas un dragonnet? Tu sais que tu vas mourir comme ça. Oh, t'as pas de chance. On va tester ça. On va voir le dragonnet. Ouh! Coûte 3 cristaux de moins. Oh, pas cool. Oh, je peux la booster à mort! Oh non! Pas celle-là! Mint! Que faire? Bon, ben on va rentrer dedans. Hein. J'aurais dû lui rentrer dedans. Celle-là, c'est de la merde. Celle-là, elle est bien, mais... Attention, ils vont tous mourir. Ça. Moi, ça me changerait. Ils vont tous mourir maintenant avec ces bêtises. Oh, ça m'arrange, par contre. Oh, pas celle-là. C'est la pire au monde. Voilà, il y a personne qui va mourir. Désolé pour toi, il y a personne qui va mourir. Avec tes bêtises, personne ne va mourir. Voilà. T'as gagné. Merci. Bien joué. Bien joué. Bon ben voilà, c'était assez abrupt comme, comme terminaison, comme fin. En tout cas, gros bisous et à la semaine prochaine ou déjà à ce soir pour ceux qui veulent du Until Dawn en live sur ma chaîne perso. Gros bisous à tous et tchuss. À la prochaine.